Et bien sûr, c'est fermé. Au cas où quelqu'un voudrait voler des déchets. Il y a peut-être un autre accès. Pas vraiment une effraction si je casse rien. Si ? Ok, pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Nada. Oh. Ok, là je panique. Empire Sanitation AD, j'écoute. Désolé, est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage ? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super ! J'y vais direct. Hé, hey, ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai? Je vais vérifier les pizzerias alors. Vous savez laquelle? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry? Non, ça c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah, ouais, non. Ça commence par un L, je crois. Larry ? Larry, c'est dans les sides. Léo ! Léo ! Ah ! Je crois que je vois les camions. Merci, Eddie ! Ok, les camions doivent... Non, c'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Un signe de mes affaires. Oh, et quelle odeur intéressante. Eddie, vous êtes mon seul espoir. Pas là non plus. Hmm. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici? Ben, les gars ont peut-être changé d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collègue était sur la ligne 35, ils doivent être... L'incinérateur maintenant. L'incinérateur ? Du côté du pont de Manhattan, dépêchez-vous. Voilà l'incinérateur. J'espère que j'arrive à temps. Oh oh, ça sent les ennuis. Merci, Spider-Man. Vous allez bien? Ouais, merci. Ça fait 2 jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien, je vais ouvrir l'œil. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu? Pour des trucs perso? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Je crois que c'est ça! Allez, sois ici, sois ici! Oui!
J'espère qu'il marche encore. Oh, on dirait que tout est là. Hé, il y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Pourquoi je l'ai jamais terminé? Je crois que je peux le faire marcher. Ça y est. Regarde, c'est le type qui se prend pour Spider-Man. Oh non. Tuez-le! Non, c'est pas ce qui était prévu! Reculez! Pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir? Je pourrais demander à MJ. Ok. Comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé? Alors, voyons. Salut MJ, c'est Peter. Tu crois que je pourrais dormir chez toi ce... Oh non, c'est trop formel. MJ! Hey, je passais dans le quartier et... Oh, c'est nul. Hey MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là c'est carrément pathétique. Ah, pourquoi j'en fais toute une histoire? On est amis, non? C'est normal de squatter le canapé d'une amie. C'est pas bizarre du tout. C'est un canapé. Le canapé d'MJ. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Seulement Harry était ici. Je pourrais aller chez lui. Quelqu'un m'a laissé un message. Il
numéro est masqué. Coucou Spidey, ça faisait longtemps. Je t'ai manqué? Viens à cette adresse. Attrape-moi si tu peux. Oh non, je connais cette voix. Combien de fois ai-je dit et répété que Spider-Man devrait laisser la police faire son travail? Au moins 6 fois par jour. Et encore, quand je suis de repos. Coucou Spidey. Je pense souvent à toi en ce moment. On était bien tous les deux, non? Ça pourrait être sympa de raviver la flamme. Black Cat. Ne me dites pas qu'elle fait du repérage. Elle m'avait promis de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle regardait? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel? Elle veut que je trouve quelque chose. Mais quoi? Il doit y avoir un indice. Où est-ce qu'il est? Et je sais qu'elle cache quelque chose. Là! C'est l'un de ces chats. Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Felicia est trop futée pour se mettre en danger comme ça. Ouais, elle doit avoir des problèmes. Mieux vaut rester vigilant. Dites, Yuri, le costume et l'équipement de Black Cat sont toujours dans votre salle décellée? Peut-être. Vous pouvez vérifier que ces affaires sont toujours chez vous? Pas de problème. Salut, mais t'appelles ta? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Ah, oh, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du dernier. Oh, Peter, je suis désolé. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi? Et tu as un endroit où dormir cette nuit? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais t'aurais pas une chambre pour moi au refuge? Bien sûr.
Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, Tante May. Encore une caméra. Sûrement Black Cat. Jaloux que je rende visite à un autre homme? J'espère bien. Mais tu sais que les bad boys, c'est pas mon truc. Et bim! Pourquoi tu fais ça, Felicia? Tu sais que je vais finir par t'attraper. C'est dingue, j'ai pas dormi depuis l'arrestation de Fisk. Je devrais faire un peu plus attention à ma santé. Le monde va vraiment mal. J'espère que le canapé est confortable. J'étais une vraie tête à claque. On passe tous par une période difficile. J'aimais beaucoup les chevaux, comme tout le monde à un certain âge. Je peux pas accepter. Tu le peux et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des Parker et accepte d'être un humain. Y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les rênes en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail. J'espère que Monsieur Lee va bien. Allô? Hé, hey, t'as vu mon article? Bien sûr. Robbie doit être sur un petit nuage. Ouais,
c'est devenu viral. Et devine quoi, Osborne, le maire, vient d'annoncer qu'il allait remettre une médaille à l'agent Davis, cet après-midi. Wow. Eh mais, le meeting de campagne d'Osborne, c'est pas cet après... Ah oui, ça y est, je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que tu veux venir? Ouais, avec plaisir. À tout à l'heure. J'avais les pouvoirs, j'irais pas me battre contre les criminels, crois-moi. Hé, hey, petit, qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit? Hé, hey, tu vas te taire, oui? C'est trop humiliant d'accepter l'argent de ton père. Je devrais aller en ville et essayer d'aider mon prochain. Allez, Ricky, bon goûter. Howard, ça faisait un bail. Comment va Pidgey? Il n'est pas en forme. Ses cousins lui manquent. Ça a été un peu la folie pour nous deux. Mes proprios ont transformé l'immeuble en local commercial. Alors on a dû se reloger au centre Fist, le temps de se retourner. Désolé. C'est vrai que les proprios new-yorkais sont parfois sans pitié. Quand ils m'ont viré de chez moi, ils ont relâché tous mes oiseaux. Pidgey est le seul qui m'ait retrouvé. J'ai cherché les autres partout où j'ai pu, mais avec ma jambe qui me fait mal... Vous savez quoi? Je bouge pas mal dans le coin. Vous voulez que je regarde si je les vois? Feriez ça? Oh, merci. Si vous en croisez un, vous pouvez m'appeler? Je suis pas un grand fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les petites ruelles. Salut Jeff! Félicitations pour la cérémonie! J'ai hâte que tout soit terminé. J'ai moins peur d'un camion rempli de démons que de devoir parler en public. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Pas de neuf? Il paraît que des démons s'agitent du côté du chantier de Fisk dans le centre. Ma femme risque de me tuer si je loupe la cérémonie pour aller jouer aux gendarmes et aux voleurs. Alors je me disais que ça pourrait intéresser un certain justicier. Compris, j'y passerai. Et je vous dirai ce que je trouve. Oh, et une astuce pour les discours. Imaginez tout le monde en sous-vêtements. Enfin, sauf Osborne. Bon, en fait, laissez tomber. Moi, ce qui me fait planer, c'est d'empêcher les criminels de dealer. Il vaut peut-être mieux que je sois ailleurs quand la police arrivera.
nouveau message de Doc ? Peter, sans vouloir nous porter la poisse, non seulement ma piste pourrait bien relancer notre projet, mais aussi lui donner une ampleur qu'on n'avait pas encore imaginée. Rien n'arrive par hasard, même Norman qui nous coupe les vivres. J'espère vraiment que ça va marcher. Le travail de Doc est trop important pour passer à la trappe. Alerte aux pigeons ! Oh non, pars pas ! Oh ! Je suis content que mes pouvoirs soient utiles. Je te ramène à la maison.